N'oublie pas dans les coins, hein. Il en reste un peu. Allez, saute! Donc, nous sommes en route en direction de Piatranem. Ce soir, nous allons dormir dans un monastère. Et bah, pour y arriver, ça va pas être chose facile parce qu'il faut qu'on traverse une partie des Carpates. Et avec la neige qui tombe déjà dans la vallée et quand on voit l'état des routes, on est un petit peu inquiet de ce que l'on va trouver en altitude. Bon bah voilà, c'est parti, hein, on attaque la montagne. On est déjà à 950 mètres d'altitude. Il n'y a plus de traces, c'est plus déneigé, on est déjà dans la neige profonde. Et normalement le col avoisine les 1500 ou 1600 mètres. Donc espérons que tout se passe bien. Tu sais Bernard, on est à 8 mètres du col hein. Bah, c'est bien dommage hein. Ouais, ouais. Là il y a une coulée de neige. J'ai tapé dans ça de neige pour pousser mais j'ai pas. Ah il y a des congères ouais. Il va falloir mettre les chaînes là maintenant. Encore. Les rebelotes. Il commence à avoir le... Hein? Hein? C'était pour dire vous êtes tous des couillons, vous étiez arrivés au sommet. Eh ben non, on n'y est pas arrivé. On va y arriver. À deux doigts. On va y arriver, on va y arriver. Il reste 8 mètres à faire de dénivelé. Bon ça y est, là on vient d'arriver au col. Maintenant on va attaquer la descente, mais en général il y a énormément de congères. Donc la descente est plus difficile que la montée. Allez vas-y, gaz, gaz! Elle est bloquée. Ah, c'est mort. C'est mort, ça touche plus. On a avancé un peu quand même. Il y en a quand même là, hein. Il y a ce qu'il faut.
moment. Tap, tap, tap. Vas-y, recule. Tap, tap, tap. Et si Elodie toyait vers ses conneries avec sa voiture? Il est parti sans moi. Merci Laurent. Ils sont bons ces raviolis. Mais bon, je mange pas comme un cochon, c'est pas vrai. N'importe quoi. Bon, c'est la petite pause là, parce qu'on a réussi à passer le sommet du col là. On a amorcé la descente. Donc on se ravitaille, on prend des forces. Parce qu'on n'est pas encore arrivé en bas. Hein. Au menu, c'est ravioli. Qu'est-ce qu'on mange dans la famille Eut? On mange rien, on a plus de gaz. Tu n'as plus de gaz? Si, si, mais le tout c'est de trouver Wally. Non, je crois qu'elle est dans l'autre, pas là-bas. Dans l'autre? Ouais, mais. On a quand même des... un petit coup de molle. Un petit coup de molle. Et là, qu'est-ce qu'il y a de bon à manger là? Je peux lui faire ce que je veux, regarde. Laura Cassie. Ouais, elle m'écoute. Qu'est-ce que vous mangez de bon là? Ah, vous êtes déjà au dessert. Mmh. Vous n'allez pas de temps. Hein. Attention, on va arriver sur le pont, faut pas rester coincé là, parce que ça remonte derrière. Les congères. Ça bon. Passe pas. Qui c'est qui passe pas? Ah moi je passe pas, hein. Et 80... si on creuse? Bah ça la tronçonneuse? Chiche. Ah bah, non parce que maintenant qu'on est arrivé en bas, s'il faut tout remonter. Ah non, on va pas se... T'as amené le grand modèle? Et t'as vu, ils sont pas fait chier. Hein. Ouais mais ils avaient pas la tronçonneuse. Ouais mais ils avaient des charrettes pour passer là. Ils passaient en charrette. Non ouais. Regarde, c'est juste la hauteur pour le cheval. Ah ouais. Ils étaient pas la tronçonneuse ma culotte. Oh, 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 oh.
Bon. Allez. Dorac, viens là. Viens ici, Dorac. Voilà, c'est la tenue de scaphandre. C'est ça. Pour aller faire la mécanique là. Pour faire la plongée sous la voiture. Voilà, on a un collier de soufflet de cardan qui est parti.